Alors on a souvent la question de savoir comment remplacer sa bâche PDM ou sa bâche PVC en l'occurrence si vous aviez une bâche PVC. Bah, de toute façon nous, même si vous aviez une bâche en PVC, on va vous orienter pour une nouvelle bâche EPDM pour la qualité et la résistance de cette bâche. Et en fait, ce qui est important de comprendre si votre bâche actuelle est foutue, donc s'il y a un trou, une déchirure ou si elle est poreuse, c'est qu'il va falloir soit de la retirer, mais c'est assez contraignant, soit vous pouvez la laisser et mettre la nouvelle, mais alors à ce moment-là, il est très important de penser à faire des traits de cutter ou des découpes dans le fond pour que l'eau puisse s'écouler au cas où il y aurait une infiltration entre vos deux bâches, la neuve qui est bien étanche et l'ancienne, et bien que ça ne fasse pas une poche d'eau qui pourrait soulever du coup votre étang, ce qui pourrait causer quand même de gros dégâts sur la nouvelle bâche. Donc l'idéal, comme je dis, c'est on entaille l'ancienne bâche pour que l'eau puisse s'écouler, on remet un feutre au cas où de nouvelles racines ou animaux pourraient passer à travers les trous que vous avez fait dans l'ancienne bâche et vous mettez la nouvelle bâche EPDM. Donc après pour les systèmes de fixation, ben ça c'est comme d'habitude et comme on vous l'a déjà présenté, vous pouvez soit replacer une écolate si dans les années le niveau a un petit peu varié, si le bassin est tout à fait prêt à accueillir la nouvelle bâche, alors il vous suffit de venir ici en magasin, on la découpe à la taille nécessaire pour votre bassin. Si vous ne vous sentez pas capable de faire le remplacement seul, car soit vous n'êtes pas à l'aise en bricolage ou simplement vous n'avez pas la condition physique, on va dire, de pouvoir manipuler des bâches qui sont assez lourdes, et bien alors à ce moment-là, on peut vous orienter soit vers des équipes d'entrepreneurs certifiés, soit de l'équipe Akiflor qui peut venir vous aider. Donc si vous avez d'autres questions sur les bâches EPDM, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, on y répondra avec plaisir. On se retrouve très bientôt en magasin ou en vidéo.